Bonsoir à tous, merci d'être avec nous. Nous sommes à 3 semaines de l'élection présidentielle au Togo. Une élection très attendue, vous vous en souvenez peut-être, le dernier scrutin présidentiel en 2005 s'est soldé par des émeutes qui ont fait plus de 400 morts. Le président sortant Faure Gnassingbé va briguer cette année un second mandat. Nous allons voir dans quel contexte se prépare le scrutin. François Bocco est avec nous, ex-ministre de l'Intérieur du Togo. C'était sous la présidence de Gnassingbé et Yadema. Jean-Baptiste Placa, vous êtes journaliste. Vous connaissez bien la situation au Togo. Première question pour tous les deux. Est-ce que les dés sont jetés et est-ce qu'on s'achemine vers une réélection de Faure Gnassingbé? Les dés sont jetés, je ne le dirai pas. La situation est beaucoup plus ouverte qu'on le pense. Et à voir le contexte, certes marqué de situations frauduleuses potentiellement, néanmoins, de la capacité de l'opposition de présenter une alternative commune peut dépendre l'issue du scrutin. Vous êtes d'accord, Jean-Baptiste Placa, c'est plus ouvert que d'habitude cette année? Le problème des élections au Togo est toujours relatif à la transparence. Si les élections sont transparentes, je pense que ceux qui sont au pouvoir ont peu de chances de l'emporter, tout simplement parce que les résultats qu'ils accumulent depuis des années sont tels qu'il n'y a pas de raison au sein d'une population comme celle-là de les reconduire au spontanément. Pouvoir. Alors on a eu le père Gnassingbé Yadema pendant 38 ans à la tête du Togo, le fils Faure Gnassingbé maintenant depuis 5 ans. Est-ce qu'il y a du changement? Quel bilan on peut tirer très rapidement de ce premier quinquennat? Fondamentalement, rien n'a changé. Mais il y a du vernis. Il y a un mode d'exercice beaucoup plus soft qui fait croire à ceux qui créditaient ce fils du général Yadema dans une capacité modernisatrice, qui fait croire à ceux-là qu'effectivement le changement est possible. Mais dans la réalité, c'est un vernis. Vous êtes d'accord? Peu de changements ces 5 dernières années? Oui, c'est-à-dire quand je vous avais parlé de 400 morts, de plus de 400 morts, quand on s'est battu et quand on a consenti autant de sacrifices pour arriver au pouvoir, quand on y est, on se demande pourquoi faire. Et là, justement, les Togolais ne voient pas ce que ce monsieur veut leur apporter, ce qu'il apporte et ce pourquoi il a pu, j'allais dire, se permettre de passer sur la vie de centaines, voilà, pour y arriver. Et je crois que sans faire de comparaison malheureuse, on voit au Gabon quelqu'un qui a succédé à son père et qui, depuis quelques mois, essaie de donner quelque chose qui ressemble un peu plus qu'à du vernis. Et ce n'est pas le cas donc pour l'instant voilà, au Togo. On va, si vous le voulez bien, aller découvrir les visages des candidats. Ils étaient 8 jusqu'à il y a quelques jours, mais l'un d'entre eux a vu sa candidature retoquée. Portrait de candidat, c'est un reportage signé Martin Matesso. Les partisans de Kofi Annan sont allés lui manifester leur soutien aussitôt après le verdict de la Cour constitutionnelle, qui a officiellement invalidé sa candidature à la présidentielle du 28 février. Pour justifier sa décision, la Cour a invoqué une incertitude sur la date de naissance de Kofi Annan, qui possède la double nationalité française et togolaise. Il est clair que le RPT a cru ainsi trouver le moyen d'écarter le candidat le plus gênant pour lui, c'est-à-dire celui capable d'être élu et de réellement prendre le pouvoir. Parmi les 7 candidats qui restent dans la course, 2 opposants de poids se préparent à affronter le président sortant. L'opposant Yaovi Agboibo défendra les couleurs du CAR, le Comité d'action pour le renouveau. Et pour la première fois, le secrétaire général de l'Union des forces de changement, Jean-Pierre Fabre, a été investi par le parti de l'opposant historique, Gilles-Christ Olympio. Kofi Annan compte sur l'union de l'opposition pour mettre fin au régime du RPT, le parti fondé par Faure Gnassingbé et Yadema, qui a régné sans partage sur le pays pendant une 40aine d'années. J'exhorte l'opposition à trouver, à se donner un candidat unique.
N'ayez plus peur. La libération du Togo est proche. Rien ne sera plus comme avant. Jamais. Du côté du parti au pouvoir, pas de surprise. C'est le président sortant, Faure Gnassingbé, qui est candidat à sa propre succession. Sa candidature a été validée mardi par la Cour constitutionnelle, en même temps que 6 autres candidats, parmi lesquels figure pour la première fois une femme. Brigitte Kafoui, Adja Magbo, a été investie par la Convention démocratique des peuples africains. François Bocco, ça vous a surpris l'éviction de Kofi Nyamnyam? Je ne suis pas plus surpris que ça, d'autant que le régime redoutait sérieusement la candidature de Kofi Nyamnyam. Kofi Nyamnyam est le nouveau arrivant sur la scène politique, avec une capacité médiatique assez importante. On l'a vu tout au long de la campagne, avec aussi une capacité interne importante, notamment par le fait qu'il vient de la même partie du Togo que Faure Gnassingbé, de la partie du nord du pays, septentrionale du pays. Qu'est-ce qui pesait en termes de voix? Mais malheureusement, on ne le saura jamais. Je me demande, Kofi Nyamnyam a présenté un dossier pour être candidat à la présidence de la République. Et je ne pense pas que dans les dossiers présentés par Kofi Nyamnyam, il y ait ces documents français. Ça veut dire donc qu'on est allé chercher des fiches de police à l'aéroport ou je ne sais où pour justifier cette éviction. C'est un peu triste. Ça ressemble au Togo tel que nous connaissons malheureusement. Et je pense que Kofi Nyamnyam gênait effectivement. Kofi Nyamnyam a été utile à son pays en 2005, notamment au moment où les enfants des Yadema voulaient donc succéder à leur père sans passer par les procédures normales. Donc vous êtes sceptique sur les raisons de son éviction. Alors... Parce qu'il ne peut pas y avoir deux actes de naissance, il ne peut pas y avoir des papiers français. Parce que les deux dates ne coïncidaient pas. C'était on ça, est en train la, de la, faire la allusion à des papiers français qui ne peuvent pas se trouver dans son dossier de candidature.